notre message ce matin is our divine SIM card. C'est notre SIM card, notre puce divine. Our divine SIM card. Notre puce divine. Is our message. C'est notre message ce matin. Don't be surprised. Ne soyez pas surpris. You are in a place you have to learn new things every day. Vous êtes dans un endroit que vous devez apprendre de nouvelles choses chaque jour. You need to learn new things every day. Tu dois apprendre de nouvelles choses chaque jour. Physical things that we see. Les choses physiques que nous voyons. They can teach us. Peuvent nous enseigner. How we can live. Comment nous pouvons vivre. How we can succeed. Comment nous pouvons réussir dans la vie. So all these things you see with your eyes. Toutes ces choses que tu vois avec tes yeux. God created them for a reason. Dieu les a créés pour une raison. If you discover the reason of the thing, si tu découvres la raison pour la chose, you enjoy the thing. Tu vas jouir de ces you choses. Enjoy the thing. Tu vas jouir de ces choses. That is why you see most of my messages. Vous voyez la plupart de mes messages. I take it from an example of something we can see. Je prends toujours l'exemple de quelque chose que nous pouvons voir. Because you can be touching the thing every day. Pourquoi? Parce que tu peux toucher la chose chaque jour. You don't really know how the things function. Mais tu ne sais, tu peux toucher la chose chaque jour, mais tu ne sais pas réellement comment la chose fonctionne. Our divine SIM card. Notre SIM card divine. That is our message today. C'est ça qui est notre message. Listen and listen. Écoutez, écoutez attentivement. We are telephones. Nous, nous sommes des téléphones. And inside us is a SIM card. Et dans notre corps, il y a la puce. When the SIM card is not, et quand il n'y a pas la puce, we don't have value. Nous n'avons pas une valeur. Listen. Écoutez. You are a SIM card. Toi, tu es une puce. I am a SIM card. Je suis une puce. I am a telephone. Je suis un téléphone. You are a telephone. Toi, tu es le téléphone. Inside us, dans moi, there is a SIM card. Il y a une puce. If that SIM card is not, et s'il n'y a pas cette SIM, we don't have value. Nous n'avons pas de valeur. We don't have value. Nous n'avons pas de la valeur. As you cannot call with your phone without a SIM card. Et comme tu ne peux pas appeler avec ton téléphone sans. Let me tell you. Laissez-moi vous dire. There are things you cannot see in your life. Il y a des choses que tu ne peux pas voir dans ta vie. There are things you cannot experience in your life. Il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter dans ta vie. There are things you cannot benefit in your life. Il y a des choses que tu ne peux pas bénéficier dans ta vie. If you don't have the SIM card, I will show you today. Si tu n'as pas cette puce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alléluia. If you don't have the SIM card, I will show you today. Si tu n'as pas cette puce que moi je vais vous montrer. Listen. Écoutez. This church. Cette église. This ministry. Ce ministère. Is a mountain of revelation. Ça, ce ministère est la montagne de la révélation. A mountain of revelation. La montagne de la révélation. Listen. Écoutez. A place. Une place. We discover things. Une place qu'on découvre des choses. And we recover things. Et que nous recouvrons des choses. Nous recouvrons des choses. It's a place. Et c'est un endroit. We discover things. Que nous découvrons des choses. And we recover things. Et que nous recouvrons des choses. It is my work. Ça c'est mon travail. That God has given to me. Que Dieu m'a donné. And sent me to you people. M'a envoyé à vous. To reveal to you things. Pour vous révéler des choses. That will make you people a blessing to his people. Que vous faire vous la bénédiction pour ces gens. Don't forget. N'oubliez pas. You are a blessing to the world. Tu es la bénédiction du monde. The Bible says. La Bible dit. You are the light of the world. Que tu es la lumière du monde. You are the salt of the world. Tu es le sel du monde. It means you are a blessing to the world. Ça veut dire quoi? Tu as une bénédiction pour le monde. If you don't discover the light in you, si tu ne découvres pas la lumière en toi, you will not shine in people's life. Tu ne peux pas faire briller la vie des gens. If you don't discover the salt in you, si tu ne découvres pas le sel qui est en toi, people's life will not have a good taste. La vie des gens n'aura pas un bon goût. Listen to me. Écoutez-moi. God has sent me to you people. Dieu m'a envoyé en vous. With wisdom. Avec la sagesse. To make you discover things. Pour vous faire découvrir des choses. And recover things. Vous faire recouvrir des choses. That you have lost. Que tu as perdu. Hear what the Bible says. Écoutez ce que la Bible dit. The mandate God gave. Le mandat que Dieu a donné. The verse of the mandate. Le verset de ce mandat. Isaiah, Erika, very fast. Isaiah 58. Isaiah 58. Verse 12. Verset 12. Isaiah 58, verse number 12. Si tu es là-bas, tu lis en français d'abord.
les tiens. Non, Ellie. Esaïe 50, verset 12. Les tiens rebâtiront sur les anciens rues. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera rédempteur des brèches. Celui réparateur. Eh oui, réparateur, oui. Excusez. Réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable. And they that shall build of thee shall build the old places. Thou shalt raise the foundation of many generations. That was what God told me. C'est ce que Dieu m'a dit. The foundations of many generations. La fondation de plusieurs générations. You come here. Tu es venu ici. Nothing. Rien. You have nothing. Tu n'as rien. But after some time. Mais après quelques temps. You begin to see yourself shining. Tu commences à voir ton corps. Tu commences à te voir toi-même briller. You begin to shine. Tu commences à briller. You have no house. Tu n'as pas la maison. You have a house. Mais tu as la maison. You have nothing. Tu n'as rien. You have things. Tu commences à voir des choses. Foundations have been put. La fondation commence à se positionner. God has put foundations. Commence à se mettre en place. He said, and thou shalt be called the repairer of the bridge. Il veut dire quoi? The restorer. Of the path to dwell in, I will restore. Je vais te restaurer. That means you will recover. Qui veut dire que tu seras recouvert. Tu vas recouvrir. Tu vas recouvrir. You will recover. Tu vas recouvrir. The things that you have lost. Les choses que tu as perdues. Here in this ministry. Dans ce ministère. I thought you would say amen. Amen. I thought you would say amen. Amen. So that is why I want to show you something today. Voilà pourquoi je veux vous montrer quelque chose. That will help you. Qui va t'aider. To shine. De briller. To have value. Pour avoir la valeur. To have an importance in the midst of others. Pour avoir l'importance au milieu des autres. You don't just have to be in the society as a person. Tu ne dois pas être dans la société comme une simple personne. No. Non. But you must have a role to play. Mais tu dois avoir un rôle à jouer. In the life of people. Dans la vie de quelqu'un. When you are not there. Et si tu n'es pas là. People murmur. Que les gens vont toujours murmurer. They will murmur where? Ils vont mimer. Why is it that this woman has not come today now? Ils vont toujours mimer que cette femme n'est pas là. I don't like this other person. Tu vas commencer à les manquer. On dit que je n'aime pas cette personne. I want only Erica. Je veux juste Erika seul. This other woman, like cette femme, sinon je l'aime pas. Why? Pourquoi? There is something you are doing in the life of the person. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que tu fais dans la vie de quelqu'un. You are doing something in his life. Tu fais quelque chose dans sa vie. He is crying. Il pleure. He is murmuring. Is complaining. Elle se plaint. Why? Pourquoi? Your value. Ta valeur. You are taking it today. Tu vas prendre ça. You are taking it today. Amen. You are taking it today. Amen. In the name of Jesus. Amen. What is your divine SIM card? Quelle est ta SIM divine? What is that divine SIM card? Quelle est cette SIM divine? It's a gift in you. C'est le don en toi. A gift in you. Le don en toi. Ekutura. Aname etutura. Inubia klaki. Izalakiskatura. Listen to me. Écoutez-moi. That is the SIM card in you. Ça c'est la SIM en toi. The gift God has put in you. Le don que Dieu a mis en toi. The gift you have discovered in you. Le don que tu as découvert en toi. The gift you have developed in you. Le don que tu as développé en toi. Is the SIM card. C'est la SIM that makes you to have value in the presence of people. C'est la SIM qui te fait avoir la valeur au milieu des gens. That is what makes you to have a good function like a telephone. Voilà pourquoi c'est la chose qui te fait avoir un bon fonctionnement comme un téléphone. That is what makes you to have greatness in the presence of people. Voilà pourquoi cela te fait avoir la grandeur au milieu des gens. Yes. Ah oui. Your gift. Ton don. Your gift. Ton don. When you are living without a gift in you. Quand tu vis sans un don en toi. Or a gift that is manifesting. Ou un don qui se manifeste en toi. You are like a phone without a SIM card. Tu es comme un téléphone sans SIM. Listen. Écoutez. Living without a gift manifesting in you. Vivre sans un don manifestable en toi. It is like a phone without a SIM card. C'est comme un téléphone sans SIM. Now, a phone that does not have a SIM card. Un téléphone qui n'a pas de SIM can only work with Wi-Fi. Peut seulement travailler avec le Wi-Fi. With Internet. Avec Internet. If you don't have Wi-Fi in your phone. Et si tu n'as pas Wi-Fi dans ton téléphone. Like a Toronto phone.
comme un téléphone choroko. If you don't have a wifi in your phone, si tu n'as pas un wifi dans ton téléphone, internet in your phone, internet dans ton téléphone, no sim card, aucun sim, you cannot use the phone. Tu peux pas utiliser ce téléphone. You cannot use the phone. Ce téléphone. But what makes a phone to function very well? Ce qui fait en sorte que ce téléphone fonctionne très bien. Is when there is a sim in a phone. Quand il y a un sim dans ce téléphone. And you don't just have to have a sim. Tu dois pas seulement avoir la sim. You must have credit. Tu dois avoir aussi le crédit. In your sim. Dans ton téléphone. You must have data. Tu dois avoir la connexion. La connexion. In your sim. Dans ta sim. Your sim will function very well. Ta puce va bien fonctionner. Are we together? So you don't just have to have the gift. Tu dois pas seulement avoir le don. That is the sim. Qui est la sim? But you must put credit in it. Mais tu dois mettre le crédit en cela. That is the manifestation of the gift. Qui veut dire quoi? La manifestation de ce don. Please, you understand this Pardon, message. Pardon, écoutez ce message très bien. You have a sim. Tu as un sim. But there is no credit. Mais il n'y a pas de crédit en ce téléphone. The sim will not function very well. Mais cette sim ne peut pas fonctionner très you bien. You have a gift. Tu as un don. You are not using the gift. Tu n'utilises pas ce don. The gift will not have value. Ce don ne peut pas avoir de la valeur. Are we getting something? Est-ce que vous écoutez quelque chose? Do you understand what I'm trying to say? Vous comprenez ce que je veux dire? When you have a gift, si tu as un don, you must make sure the gift begin to operate. Si tu as un don, tu dois te rassurer en sorte que ce don va commencer à se manifester. If you know how to sing, si tu connais chanter, don't wait. N'attends pas. That is choose you. Qu'on te choisir. Tell your pastor. Dis à ton pasteur. Please, I want to join the choir. Pardon, je veux jouer la chorale. Je veux chanter pour Dieu. You begin to sing. Tu commences à chanter. You begin to sing. Tu commences à chanter. What you know how to do, just begin to do it. Si tu sais comment faire une chose, commence à faire la chose. Begin to do the thing. Commence à faire la chose. If you can teach, si tu peux enseigner. Begin to teach. Commence à enseigner. If you can dance, si tu peux danser. Begin to dance. Commence à danser. Whatsoever you can do, quel que soit ce que tu peux faire. Begin to do it. Commence à faire la chose. If you can use your hands, si tu peux utiliser tes mains. And produce something. Produire quelque chose. Please don't say I know how to make chips. Ne dis pas que je sais comment produire les chips with plantain. Avec les plantains. Non, non. I know. Je connais. It's true. C'est vrai. But we have not seen it. On n'a pas vu la chose. We cannot respect you. On ne peut pas te respecter. I will see something. Est-ce que vous comprenez? I chose? Know. Je connais. How to play it. Je connais comment tresser. But you are not playing it. Mais tu ne fais pas cela. Tu ne mets pas cela en pratique. On ne voit pas cela. You have no value. Tu n'as pas de valeur. What you know. C'est que tu connais. You must be using it. Tu dois utiliser la chose. Ah, ah oui. That is when people will respect you. C'est là où les gens vont te respecter. There are some of you here. Il y a beaucoup d'entre vous ici. With talents. Avec des talents. You can do something. Tu peux faire quelque chose. Certaines choses. But you are not doing them. Mais tu ne peux pas le faire. You are suffering. Tu souffres. You are poor. Tu es pauvre. You don't have. Tu n'as pas. Why? Pourquoi? You don't use it. Parce que tu n'utilises pas la tête. You don't use it. Tu n'utilises pas ton talent. When you have a special gift in you, quand tu as un don spécial en toi, you have a value in the midst of people. Tu as une très grande valeur au milieu des gens. Your gift, ton don, is what will announce you to people. C'est ton don, c'est la chose qui va t'annoncer vers les gens. And make people to celebrate you. En fait, pour que les gens te célèbrent. I know how to play football. Je connais comment jouer le ballon. But if you never see me in the field, si tu ne me vois pas au stade, begin to play. Commence à jouer au foot. Will you clap for me? Est-ce que tu peux applaudir pour moi? Tell me to. Will you clap for me? Dis-moi la vérité. You will see me in the field. Tu vas me voir au stade en train de pousser le ballon. Ah, pasteur. You start clapping now. On commence à applaudir. Listen to me. Écoutez-moi. Listen. Écoutez. Your gift is what makes you have value. C'est ton don qui fait en sorte que tu dois avoir la valeur. But you must put it into practice. Mais tu dois mettre cela en pratique. You must put it into practice. Tu dois mettre cela When you start using it. Quand tu commences à utiliser. When you start manifesting. Quand tu commences à manifester la chose. You become the head. Tu deviens la tête. And not the tail. Tu deviens la tête, non la queue. You become the head. Tu deviens la tête. And not the tail. Non la queue. People will know you. Les gens vont te connaître. People will celebrate. Les gens vont te célébrer. Attention, vous savez, amen. Amen. Vous dites, amen. This year is your year. Cette année, c'est I said, this year is your year. Année, this year is your year. Amen. This year is your year. Amen. In the name of Jesus. Amen. I will show you examples Je of people. Vous montrer un exemple des gens. That had gifts. Qui ont des dons. And they used it. Ils ont utilisé ce don. And they were great. Ils étaient très grands. They were known. Ils étaient connus. They became the head. Ils ont devenu la tête. And not the tail. Non, la queue.
So that you can go and start using your own. Tu dois aussi partir maintenant, commence à mettre ta part. Even if it's in this church. Même si c'est dans cette église. The first Sunday of this month. Le premier dimanche de ce mois. The day prophet Koum was here. Le jour que prophète Koum était ici. I said something. J'ai dit quelque chose. We have Dominator's Chapel. Nous avons la chapelle de domination. In Susa. À Susa. And other places. D'autres endroits. And I don't even know the members of the churches in other branches. Mais je ne connais pas les membres dans d'autres branches. Now, if there is a member in one of the churches, mais s'il y a un membre dans l'un de ces églises, who can sing, qui peut chanter, and now we do services and we see our services are going online. Oui, nous faisons des cultes ici et des cultes en ligne. I'm seeing Pastor Sam is in Yaoundé. Pasteur Samuel est à Yaoundé. He's preaching there. I don't know his members. Fait la prédication là-bas, je connais pas ses membres. But there's a member in that church. Mais il y a un membre dans cette église. Who can preach? Qui peut prêcher? And Sam choose the member. Et moi, Samuel, j'ai choisi ce. And say preach today. Il y a une manière de prêcher aujourd'hui. I am watching here in Susa. Je suis en train de regarder ici. Ah, the child is preaching very well. On voit comment cet enfant prêche. And I hear Pastor Sam calls me. Je vois comment Pasteur Samuel me appelle. I have planted a church somewhere. J'ai planté une église quelque part. And this boy is the one preaching there. Et ce garçon est celui qui prêche là-bas. The church started with one person. Mais cette église a commencé avec une personne. Before 1 year. Avant un an, 100 people. Il y avait déjà 100 personnes. Ah, aussi, yeah. Il dit, hey, this guy can walk. Ça dit que ce jeune homme. Pastor Sam, send me that boy here. Il dit que Pasteur Sam envoie moi ce. I never knew him. Je l'ai jamais connu. But his work. Mais il travaille. Non, son travail. Mais son travail. His work. Son travail. Announced him. L'a annoncé. To me. À moi. The founder. Le fondateur. I have known him. Je l'ai connu. Are we getting something? Vous voyez quelque chose? Listen. Écoutez. What you have. Ce que tu as, if you don't use it, si tu n'as même pas pratiqué, you will remain down. Tu vas rester à la même place. You will remain down. Tu vas rester à terre. They will never know you. On va jamais te connaître. They will never celebrate. On va jamais te célébrer. But this year, mais cette année, they shall know you. On va te connaître. This year, cette année, they shall know you. This year, cette année, they shall celebrate you. On va te célébrer. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Number one is Joseph. La première personne c'est Joseph. 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 Write it very well. Number one, Joseph. Écrivez très bien. And take the scripture. Scripture. Vous prenez le passage biblique. Genesis 40. Genèse 4, chapitre 4. 40. And chapter 41. Et le verset 41. Chapitre. Le chapitre 41. Genesis 41. Genesis 40. Genèse 40. And Genesis 41. Et Genèse 41. Joseph. Joseph. Joseph was in prison. Joseph était en prison. He had the spirit of wisdom. Il avait l'esprit de la sagesse. He had the gift of interpretation. Il avait le don de l'interprétation. Are we getting something? Est-ce que vous écoutez? But he used the gift. Mais il a utilisé le don. Before people discovered him. Avant que les gens l'ont découvert. He used him. Il a utilisé cela. He interpreted a dream in the prison. Il a interprété le rêve en prison. When he interpreted the dream, et quand il a interprété ce rêve, his friends in prison, son ami en prison a dit, ses amis en prison, they knew him, ils l'ont connu, as someone who can interpret, quelqu'un qui peut interpréter. And when they came out of prison, the friends came out of prison. Et quand cet ami est sorti hors de prison, he was working with the king. Et il travaillait avec le roi. The king also had a dream. Et le roi eut un rêve. And wanted people to interpret his dream. Il a voulu quelqu'un d'interpréter ce rêve. He called the people of his land. Et il a appelé les gens, les sages to interpret his dream. De son village pour interpréter. Nobody ce rêve. Could interpret. Personne ne pouvait interpréter. But Joseph knew how to interpret dreams. Mais Joseph connaissait comment interpréter le rêve. How would the king know? Comment le roi va connaître? It's through the man. C'est travers cette personne. Why would the man tell the king? Pourquoi cet homme a dit au roi? Because Joseph used his gift. Parce que Joseph a utilisé son don. In his life. Dans sa vie. Are we getting something? Ouais, quelque Joseph used interpretation in his life. Joseph a utilisé l'interprétation dans sa vie. So he told King Pharaoh. Il a dit au roi Pharaoh. There is somebody in prison. Il y a quelqu'un en prison. That I know. Que je connais. Ah, you shall be known. Tu seras connu. That is the year. Oui. And there is someone in prison I know. Il y a quelqu'un en prison que je connais. You don't know him. Que tu ne le connais but pas. But me, I know the person. Moi, je connais cette personne. So, he can interpret. Il peut interpréter. Let us say, bring the man.
Pharaon dit, apportez-moi cette That was when Joseph was known in the eyes of Pharaoh. C'est donc la manière que Joseph a été connu. And he was enthroned. Il a été entronisé. He became the head. Il est devenu la tête. And not the tail. Non la queue. His gifts, son don, announced him. L'a annoncé. And made him a great man. L'a fait devenir un homme très grand. Put it on your head. Mets ta main sur ta tête. This morning, ce matin, I decree. Je déclare. I prophesy. Je prophétise. As a man of comme en tant qu'un homme. The gift of God will enter you and make you to be known this year 2021 in the name of Jesus. This year you shall be celebrated. I say you shall be celebrated. You shall be celebrated in the name of Jesus. Number two person, la deuxième personne, is Daniel. Daniel chapter 1. Daniel chapitre 1. Daniel chapter 2. Daniel chapitre 2. Daniel chapter 5. Daniel chapitre 5. Daniel chapter 6. Daniel chapitre 6. I take it again. Je prends encore. The second person is Daniel. La deuxième personne c'est Daniel. The scripture. Daniel chapter 1. Daniel chapitre 1. Daniel chapter 2. Daniel chapitre 2. Daniel chapter 5. Daniel chapitre 5. And Daniel chapter 6. And Daniel chapitre 6. Let me show you a step. Laissez-moi vous. Daniel chapter 1. Daniel chapitre 1. The Bible says. La Bible dit. God gave to Daniel. Que Dieu a donné à Daniel. The spirit of wisdom. L'esprit de sagesse. The spirit of knowledge. L'esprit de la sagesse. Connaissance. De l'intelligence. Connaissance. La connaissance. And understanding l'intelligence. Et l'intelligence. God gave him wisdom. Dieu l'a donné la sagesse. Knowledge. Connaissance. La connaissance. And understanding et l'intelligence. And Daniel had the ability of interpretation. Et Daniel avait l'habilité de l'interprétation. Okay, that was chapter 1. Là c'est le chapitre 1. In chapter 2, le chapitre 2, King Nebuchadnezzar, le roi Nebuchadnezzar had a dream. A eu un rêve. He woke up in the morning. Il s'est levé le matin. He don't know his dream. Il ne connaissait pas son rêve. He doesn't know the interpretation. Il ne connaissait pas l'interprétation. And he needed somebody. Il avait besoin de quelqu'un. To interpret it. Pour interpréter. To tell him his dream. Pour lui dire son rêve. Tant pour moi. Sam has come to me. Et comme moi, Samuel est venu. Pastor, you see me like this? Quand tu vois, pasteur, je suis venu ici. I had a dream. J'ai eu un rêve. But I forgot the dream. Mais j'ai oublié ce rêve. Please tell me the dream. Pardon, dis-moi ce rêve. And give me the interpretation. Et tu me donnes cette interprétation. I did not dream with you. Mais moi je n'ai pas rêvé avec toi. How would I tell you your dream and interpretation? Comment je peux te dire ce rêve et l'interprétation? But because Daniel was blessed. Parce que Daniel était béni. With the gift of God. Avec la sagesse de Dieu. Daniel told the king. Daniel a dit au roi. Wait. Attends. I'm coming with the answer. Il va venir avec la réponse. Daniel went back to his God. Daniel est parti vers son Dieu. With wisdom. Avec sa sagesse. And spoke to God. Parle à Dieu. And God answered his prayer. Et Dieu a répondu à sa prière. Let me tell you something. Laissez-moi vous dire quelque chose. When you come across difficulties. Et quand tu viens auprès des difficultés. You come across difficulties. Quand tu viens auprès des difficultés. You don't know what to do. Tu ne connais plus quoi faire. You don't know where to go. Tu ne connais pas où aller. Go to God. Va vers Dieu. Don't be in a haste to give answer to situation. Ne sois pas pressé pour donner une réponse pour cette situation. Non. Non. Wait. Attends. And go to your father. Pas avec ton père. Tell the person. Dis à la personne. Wait. Attends. I'm coming. Je viens. I've shared with you a testimony. Je vous ai partagé sur un témoignage. A girl was born blind. Une fille qui était née aveugle. Blind. Aveugle. She sees today. Elle voit aujourd'hui. After she will not see again. Mais après elle ne voit pas. She will see flou. Elle voit flou. After she will not even see. Après elle ne voit même plus. It was just changing like this. Cela a changé. The mother came to me. Sa mère est venue vers moi. And complained. Elle s'est plainte. I told her. Je lui ai dit. I cannot pray. Je ne peux pas prier. Because I need to know the cause. Je ne peux pas prier, mais je dois connaître la cause de ce problème. Let me go and talk to God. Mais laisse-moi, je vais aller the parler God à mon père. The God of Daniel. Le Dieu de Daniel. I went to God. Je suis allé vers Dieu. At night. Dans la nuit. And prayed. J'ai commencé à prier. Oh God. Oh Père. This woman is waiting for me. Oh. Et Dieu, cette femme attend. I've given rendezvous. J'ai donné un rendez-vous. And they are waiting for me. Bon matin. You are the God of Daniel. Tu es le Dieu de Daniel. That is why it's good to know the Bible. Voilà pourquoi c'est bien de connaître la Bible. When you are in a difficult situation. Tu étais dans les
Les moments difficiles. Take God of somebody in the Bible. Repense à Dieu, quelqu'un de la Bible. God used him to do this thing. Que Dieu a utilisé pour faire des God choses. Gave him this thing. Que Dieu lui a donné des choses. You also want the thing. Tu veux aussi ces choses. God of this man. Tu dis Dieu de cette personne. If you did it for this man, tu as fait à cette personne. Do it for me. Fais-le à moi aussi. Oh God. Oh Dieu. Do it for me. Fais-le pour moi. You say to your word. Tu dis à ta parole. You tell God what he says. Tu dis ce qu'il a dit à sa parole. God answer you. Dieu va te répondre. I spoke to God. J'ai parlé à Dieu. At 5 a.m. À 5 heures, God came. Dieu est venu with the answer. Avec la réponse. God showed me that child when she was still in the womb of the mother. Dieu m'a montré cet enfant quand il était encore dans le sein de sa mère. Inside the womb. Dans le ventre. The problem happened inside the womb. Ce problème s'est passé dans le ventre. It's a long story. C'est une longue He histoire. Showed me. Il m'a montré. And I asked him. Je lui ai posé la in question. In the revelation. Dans la révélation. What can I do? Qu'est-ce que je peux faire? To give a solution. Pour donner une solution. This is the cause. Voici le. La cause. But I want to know the solution. Mais je veux connaître la solution. He gave me a bottle of water. Il m'a donné une bouteille d'eau. And a bottle of anointing oil. Et une bouteille d'huile d'onction. And the vision finished. Et cette vision est passée. I'm the one now to use my wisdom. Maintenant, c'est moi maintenant je dois utiliser ma sagesse. How to use the things he has given to me? Comment utiliser les choses que Dieu m'a données? I went to the mother. Je suis allé vers la mère. As Daniel. Comme Daniel, I told him the answer has come. Que la réponse est venue. And that was how I gave the answer. Wow. C'est comme ça que j'ai donné la réponse. Gave them a bottle of water and the oil. Et j'ai donné la bouteille d'eau. I used the oil. J'ai demandé d'utiliser l'huile d'onction. Put it in her eyes. Mets cela dans ses yeux. In the night. Dans la nuit. In the morning. Le matin. Use this water and wash her face. Le matin, utilise cette bouteille d'eau pour laver sa face. 7 days. 7 jours. Stop. Cela s'est arrêté. You stop it. Toi arrête. And see. N'applique plus cela. God took 6 days to create the world. Dieu a utilisé 6 jours pour the créer le monde. Day he rested. Le septième jour, il s'est reposé. 7 days. God will answer. 7 jours, Dieu va répondre. Exactly 7 days. Et exactement le septième jour. Eyes open. Les yeux étaient ouverts. Amen. Amen. Jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Amen. She was 12 years. Elle avait juste 12 ans. Now she's 22 years. 10 years today. Maintenant, elle a 22 ans. The eyes are open today. Les yeux sont exacts ouverts. Only God can do it. Sauf Dieu qui peut le faire. Nobody. Personne d'autre. Daniel came to the king. Daniel est venu au roi. This is your dream. Voici ton rêve. This is the interpretation. Voici l'interprétation. The Bible says the king kneel down before the Bible dit que le roi s'est fléchir. And worship Daniel. Doré. Adoré Daniel. He worshiped Daniel. Adoré Daniel. And told the people. A dit aux gens. Offer gift to this man. Donner les dons à cette personne. Give gift to this donner man. Donner le cadeau à cette personne. And they gave him gift. On l'a donné les dons. He became a god. Et il est devenu le Dieu. Now, God gave him the gift. Dieu lui a donné le don. In chapter 1. Au chapitre 1. He had to use it. Il doit l'utiliser. For people to know him. Pour que les gens doivent le connaître. Don't forget that one. N'oubliez pas cela. You have the gift in you. Tu as le don en toi. You must use it. Tu dois l'utiliser. In chapter 5. Au chapitre 7. Another king, King Nebuchadnezzar has died. The king has died. Le roi King Nebuchadnezzar est mort. Another king is there. Un autre roi était là. He also had a hand came. La main est venue. And wrote on the wall. A écrit sur le mur. Nobody could know the language. Et personne ne connaissait la signification. Nobody. De cette écriture, personne. All the magicians came. Et tous ces hommes magiciens, ces anciens ne pouvaient pas interpréter ces mots. They came and looked at it. Ils ont vu, ils ne pouvaient pas interpréter. But the queen. Mais le roi. La reine. La reine. The queen. La reine. Told the king. A dit au roi. Don't be disturbed. Ne sois pas dérangé. Don't be disturbed. Ne sois pas dérangé. There is a man in your kingdom. Il y a un homme dans ton royaume. You don't know him. Que tu ne le connais pas. But I know him. Mais moi je le connais. Hey. He can do it. Il peut interpréter cela. He has the wisdom of God. Il a la sagesse de Dieu. In him. En lui. Call him. Appelle-lui. He will read it. Il va lire cela. He was known. Il était connu. He was known. Il était connu. And he was lifted. Il était élevé. When the king Daniel came. Quand Daniel est venu, he looked at the writing. Il a vu. The Bible says. La Bible dit. He started laughing. Il s'est mis à rire. Daniel could read all languages. Daniel pouvait lire tout genre de langue. He understand all dialects. Il pouvait comprendre tout patois. He was lifted. Il était élevé. He was the eye of Babylon. Il était les yeux de Babylone. He was the eye of Babylon. Il était les yeux de Babylone. Listen to me. Écoutez-moi. Because of his gift. À cause de son I don't know what
You came here with. Je ne connais pas le don que tu es venu avec ici. This morning, mais ce matin, by the anointing, par l'option, you have given away God. Ton don, you have given away God. You have given away God. In the name of Jesus. Another person, une autre personne, is Jesus. Et Jésus-Christ. Jesus. Et Jésus-Christ. Matthew chapter 9. Matthieu chapitre 9. Matthew chapter 14. Matthieu chapitre 14. 14. Matthew chapter 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu 14. Matthieu 14. The Bible says in Matthew chapter 9. La Bible dit en Matthieu chapitre 9. A woman who was bleeding with blood. Que la femme qui avait de la perte de sang. She came behind Jesus. Elle est venue près de Jésus. And touched his garment. Elle a touché juste son vêtement. And the garment healed her. Et son, ses vêtements l'ont guéri. People never knew that Jesus could heal through his garment. Les gens ne pouvaient pas connaître que Jésus pouvait guérir à travers cette femme. Woman, mais à travers cette femme, people discover the garment of Jesus. Les gens ont découvert le garment, les vêtements de Dieu. Ah, de Jésus Christ au temple. In chapter 14, chapitre 14, the Bible says, la Bible dit, he went to another village. Qu'il allait dans un autre village. People in that village, les gens dans ce village, already knew. Connaissaient déjà that his garment could heal. Que son vêtement pouvait guérir. They came out. Ils sont venus, ils ont commencé à toucher ses vêtements. They were all healed. Et eux tous étaient guéris. Somebody, quelqu'un, used what he knew, a utilisé ce qu'il connaissait, and opened the eyes of others, a ouvert les yeux des autres. Are we together? Est-ce que vous nous sommes ensemble? You are sent with a gift to this world. Tu as envoyé dans ce monde avec un don, a special gift. Un don spécial. You need to use it. Tu dois l'utiliser. And you become special. Tu dois être spécial. Tu vas devenir spécial. You become special. Tu vas devenir spécial. Another person. Une autre personne. Peter. Became great. Est devenu très grand. Because of the gift of signs and wonders. À cause des signes et des prodiges. Signs and wonders. Des signes et des prodiges. Acts chapter 5. Acte chapitre 7. Verse 12. Verset 12. To 16. À 16. Acts 5, Peter is the last person I'll give you. Acts chapter 7. Verse 12 to 16. Verset 12 à 16. The Bible talks of his shadow. La Bible parle de sa silhouette. Shadow. Sa silhouette. As he was moving. Quand il marchait, his shadow was healing. Sa silhouette guérissait les gens. Hallelujah. Amen. The anointing. Il était ouin. He was having anointing. Il avait l'onction en lui. Anointing. L'onction en lui. Please listen to me. Alors écoutez-moi bien. I want you to, as you are hearing me this morning, je veux que quand vous m'écoutez ce matin, begin to think of a gift. Commence à penser en ton don. Un don. Un don. That you want to manifest. Que tu veux manifester cela. And you go and ask God. Tu vas demander cela à Dieu. Be, open your eyes. Ouvre tes yeux. Because the anointing today. L'onction aujourd'hui. The anointing today. L'onction aujourd'hui will activate something in you. Va activer quelque chose en toi. It will activate something in you. Va activer quelque chose en toi. I want a gift to develop in you. Je veux que le don soit développé en toi. A gift to develop in you today. Le don soit développé en toi aujourd'hui. Activated today. Soit activé en toi aujourd'hui. For you to become a great person. Pour que tu sois une personne très grande. You become a star. Que tu sois un star. A star that will shine. Un star qui doit briller. People will see. Que les gens vont voir. And glorify God. Vont glorifier Dieu. Alléluia. Amen. So be ready today. Sois prêt aujourd'hui. Be ready today. Sois prêt aujourd'hui. But not with me. Connais avec moi. This one should not leave your mind. Que cela ne doit pas quitter ton esprit. Your work. Ton travail. Your service. Ton service. Is what makes your gift to be effective. Va ce qui fait que ton don soit effectif. Your work, ton travail. Your service, ton service. Is what makes your gift to be effective. C'est ce qui fait pour que ton travail soit effectif. Ton don soit effectif. Yes, that is what makes your gift to be effective. Va ce qui fait ton don qui soit effectif. Service, ton service. Makes a gift to be effective. Fait pour que ton don soit effectif. When you are serving, quand tu sers. When you are working, quand tu travailles. You are making yourself to be a good person. Tu fais toi-même sois une bonne personne. Listen to me. Amen. For example, par exemple, you have the spirit of obedience. Tu as l'esprit de l'obéissance. You can obey very well. Tu peux obéir très bien. What will make your obedience have value? Qu'est-ce qui peut faire pour que ton obéissance ait de la valeur? It's when you are working with people. C'est quand tu travailles avec les gens. For people, pour les gens, they send you. On t'envoie. You obey, you go. Tu obéis, tu pars. I will give you something. Tu obéis. You respect the person. Tu respectes ces gens. And you do the thing. Et tu fais la chose. That is what will make the obedience to have value.
C'est ce qu'il va faire pour que ton obéissance doit avoir de la, ton obéissance doit avoir de la valeur. You must be working. Tu dois travailler. You must be working. Tu dois travailler. And let me give you this last thing. Let me tell you this last thing. Laissez-moi vous dire cette dernière chose. Service. Le service is a seed. C'est une semence. That we plant. Que nous plantons. Service. Le service. Listen. Écoutez. Tape dans les bords. Touche ton voisin. Touche ton voisin. Écoute à Dieu. Écoute à Dieu. Service. Le service is a seed. C'est une semence. That you sow. Que tu sèmes. Service. Le service. Until you sow your seed. Jusqu'à tu sèmes ta semence. You cannot see harvest. Tu peux pas voir la moisson. You cannot see harvest. Tu peux pas voir la moisson. Until you sow. Jusqu'à tu sèmes. Sow. Sow. Jusqu'à tu sèmes. You can never see the blessings of service. Tu peux pas voir la bénédiction du service. You must sow your seed. Tu dois semer. Your seed. Tu dois semer ta semence. Before you can harvest. Avant que tu dois récolter. You must work. Tu dois travailler. Before you can take your salary. Avant de prendre ton salaire. You must work. Tu dois travailler. Before you take your salary. Avant de prendre ton salaire. That is what the Bible says. C'est ce que la Bible dit. God cannot give you glory. Dieu ne peut pas te donner la gloire. God cannot give you honor. Dieu ne peut pas te donner l'honneur. God cannot give you greatness. Dieu ne peut pas te donner la grandeur. Until you are working. Jusqu'à ce que tu travailles. Until you are using the gift he has given to you. Jusqu'à ce que tu utilises le don qu'il t'a donné. If God has given him the gift of a prophet. Si Dieu l'a donné le don du prophète. He must be using the gift to prophesy. Il doit utiliser ce don pour prophétiser. If God has given me the gift of a teacher. Si Dieu m'a donné le don de l'enseignant. I must be teaching. Je dois enseigner. Are we getting something? Est-ce que vous écoutez quelque chose? He has the gift of a prophet. Il a le don de prophétiser. He does not prophesy. Mais il ne prophétise pas. I have the gift of a teacher. J'ai le don de l'enseignant. I don't teach. Je n'enseigne pas. God will never bless me. Dieu ne peut pas me bénir. Les gens will never honor me. People will never honor me. Les gens ne peuvent pas m'honorer. Why? Pourquoi? I am not using it. Parce que je ne tue pas. I must be working for God. Je dois travailler pour Dieu. Teaching his people. Enseigner les gens. He is prophesying. Il prophétise. You are healing. Et vous êtes guéri. Are we getting something? Est-ce que vous voyez? You have the gift to heal. Tu as le don. You have to be healing people. Tu dois guérir les gens. That is work. Ça c'est le travail. That is service. Ça c'est le service. It will bring you harvest. Cela va t'apporter la moisson. It will bring you harvest. Cela va t'apporter la moisson. The harvest will be your honor. La moisson sera ton honneur. God will honor you. Dieu va t'honorer. Listen. Écoutez. So you must sow the seed of service. Tu dois semer une semence du service. Before God. Can enthrone you. Avant que Dieu va te introniser. Before God can bless you. Avant que Dieu va te bénir. So you can become effective in the eyes of men. Avant que tu sois effective dans les yeux des hommes. Hallelujah. Amen. Listen, look at how a seed is. Regardez comment la semence peut être. Regarde, non, agriculture. Regardez l'agriculture. I promise you that I'll teach you agriculture today now. Yeah, je vous ai promis de vous enseigner l'agriculture. Hallelujah. Don't be shaking her head. Okay, yes, Pastor, you thought well, you promised I have to bring it today. Now, look at how agriculture is. Quand nous prenons un peu dans l'agriculture, I'll show you about service. Je vais vous montrer le service. In agriculture. Dans l'agriculture. In agriculture. Dans l'agriculture. And in your gifts also. Dans ton don. In agriculture. Dans l'agriculture. You go and rent your farm. Tu peux louer ton champ. If you don't have a farm, tu n'as pas le champ. Two of us. Vrai ou faux? You take money. Tu vas prendre de l'argent. Sacrifice the money. Tu sacrifies cet argent. 50,000. 50,000. 100,000. 100,000. You rent a farm. Tu loues un champ. That is the number. First step. C'est première étape. What does that mean here? Qu'est-ce que cela signifie ici? You don't have knowledge. Toi, tu n'as pas la sagesse. You don't have knowledge. Connaissance. Tu n'as pas la connaissance. You need knowledge. Tu as besoin de la connaissance. What will you do to have knowledge? Comment tu vas faire pour avoir la connaissance? Which is a gift. Qui est le don? To make you to be great. Pour faire pour que tu sois grand. You go to school. Tu vas aller à l'école. And pay school fees. Tu vas payer l'école. Are we there? Est-ce que nous sommes là? Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? You go to the farm. Tu vas aller au champ. And rent the farm. Tu vas louer le champ. As you go. Et comme tu vas partir. You pay school fees. Tu vas payer l'école. What will you do again? Et qu'est-ce que tu vas faire? You must go to the farm. Tu dois aller au champ. And clear the farm. Pour défricher le champ. You see service. Ouais, you must work. Tu dois travailler. Before you can eat. Avant de manger. You go and clear the farm. Tu vas déficher le champ. After you pay your school fees. Après avoir payé ton école. What will you do? Qu'est-ce que tu vas faire? You have to be going to school. Tu dois commencer à aller à l'école. To go and learn. Tu dois aller apprendre. Like you go to the farm. Tu vas au champ. And clear the farm. Pour déficher. You have to be going to school. Tu dois continuer à aller à l'école. To go and learn. Apprendre. That is how you develop your gift. C'est comme ça tu commences à développer ton don. That is how you serve. C'est comme ça tu sers. I will get you something. Est-ce que the third thing.
troisième chose. Tu dois plan. Tu vas aller semer. You must plan your farm. Tu dois semer ton champ. After you clear the farm. Après avoir fini de défricher. Burn the farm. Tu coupes le champ. You must plan. Tu dois semer. If you don't plan, tu ne sèmes pas. You cannot come back with something. Si tu ne plantes, tu ne sèmes pas, tu ne pars jamais. If you go to school, si tu pars à l'école. Another step is that what? Il y a une autre étape. You must study. Tu dois étudier. When you come back from school, quand tu rentres à l'école, you must start studying. Tu dois commencer à apprendre. You must study. Tu dois apprendre. That is what it happens with agriculture. Voilà ce qui se passe dans l'agriculture. Service. Le service. There is service step by step. Il y a le service étape par étape. Step by step. Étape par étape. You begin to study. Tu vas commencer to à étudier. Develop your mentality. Pour développer ton intelligence. After you plant your seed. Après avoir semé ta semence. Fourth point. Quatrième point. What will you do? Qu'est-ce que tu vas you faire? Must take care of them. Tu dois prendre soin de ces choses. Remove grasses. Tu vas enlever les herbes. Is that also? C'est pas ça. Take care. Prends soin de ces choses. You put ground. Et ça, c'est mal. Tu mets la terre. What will you do now in school? Et à l'école, qu'est-ce que tu fais? You have to go and write an exam. Tu dois partir. À l'école, tu dois écrire un exam. You must go and write an exam. Tu dois aller écrire un examen. That is how we grow. C'est comme ça nous grandissons. Our mentality. Ta mentalité. Our gift. Is developing. The knowledge is developing. Ton intelligence se développe. That is when you go and care for your farm. C'est quand tu pars maintenant prendre soin de ton. The crops are growing. La semence grandit. The crops are growing as you are changing class. La semence commence à grandir. You are changing classes. Toi, tu commences à changer. You write exam. Tu commences à changer des étapes par étapes. You write exam. Tu écris exam. You pass. Tu passes. You go to another tu class. Pars dans une autre that classe. Is how you care for your crop. C'est comme ça que tu begin to grow. Prends soin de ta semence. And number five. Le cinquième point. You have to go and harvest. Tu dois partir récolter. If you don't go and harvest, si tu ne vas pas récolter, I have corn in the bush. J'ai le maïs au champ. If you don't go and bring the corn, si tu ne vas pas récolter, we will see the corn. Est-ce que tu vas voir le maïs? We will see the corn. Nous devons voir. What will happen next? Et qu'est-ce qui va se passer? You have to wait for your results. Yes. You have written an exam. Tu as écrit. Your result must come out. Ton résultat doit sortir. That is your harvest. Ça c'est ta semence. Ça c'est ton récolte. Your harvest. Your result will come out. Ton résultat va sortir. When you see your result. Quand tu vois ton résultat. Good result. Bon résultat. That is your corn you have brought back. Ça c'est ton maïs que tu as récolté. You can now proud. Tu peux maintenant gonfler. Tu mets les poules noires. I've gone to school. Oui, je suis allé à l'école. This is my certificate. I have bought my farm. J'ai mon champ. This is my corn. C'est ma récolte. You see our services. Vous voyez comment le service est? Service is something we do step by step. Le service est quelque chose que nous faisons étape par étape. And also wait for the harvest. Et nous devons attendre pour la. And another thing. Et une autre chose. When you come out with a certificate. Et quand tu rentres avec. You don't come and sit in the house. Tu ne viens pas rester à la maison. You go look for work. Tu dois partir chercher l'emploi. Is that also? Le travail. C'est pas ça. You must harvest. Tu dois récolter. When you harvest. Quand tu récoltes. Will you keep in the house? Est-ce que tu vas garder cela à la maison? What will you do? In the bush? Tu vas garder au champ? What will you do? Qu'est-ce que tu vas faire? And when you bring it to the house, what will you do? Qu'est-ce que tu fais? Market. What will come to your hand? Qu'est-ce qui va venir à ta main? Money. Uh-huh. You place your cap. Hallelujah. Are we getting the wisdom now? Listen to me. When you have the gift, si tu as le don, you have developed the gift. Tu développes le don. You must go and use the gift. Tu dois partir utiliser ce don. As I begin to preach, et quand je commence à prêcher, people look at me. Les gens commencent à me regarder. They can come and bless me. Ils peuvent venir me bénir. Ah, pastor, pray for me. Oh, pasteur, pardon, prie pour moi. He prayed for me. Prie pour moi. Il a prié. Pastor, pray for me. Pasteur, prie pour moi. Il a prié pour moi. Il a prié pour moi. And I am healed. Je suis guéri. Pastor, I come to say, thank God, I take this one. Pasteur, tu viens de dire merci, Francis. Are we getting something? Oui, quelque chose. I have worked. My gift is giving me something. I am eating. Please use what you have. Alors, utilisez ce que vous avez. Use what you have. Utilisez ce que tu as. If you don't use your SIM card. Et si tu ne utilises pas ta SIM, MTN will block it. MTN va bloquer cela. Vrai ou faux? When you don't use your gift, si tu ne tues pas ton don, your gift will have no value. Ton don n'aura pas de valeur. Use your SIM card. Utilise ta SIM. Use your SIM card. Utilise ta SIM. Which is use your gift. Qui veut dire utilise ton don. Decide a place to serve. Désire un endroit de servir. In the church of God. Dans l'église de Dieu. Don't just be a Christian. Ne sois pas juste un chrétien. Do something for God. Fais quelque chose à Dieu. God will block your blessings. Dieu va bloquer ta bénédiction. As MTN will block your SIM card. MTN va bloquer ta bénédiction. I have bought Nextel.
J'ai payé Nestlé. 3 times. 3 fois. They have blocked it. On a toujours. When I buy it, quand j'achète, after I don't use it again. Après, je l'utilise parce que. They cut the line. On coupe la ligne. I go and buy another one. Quand j'achète l'autre. They cut it. On coupe la ligne. You want. You go and work in the farm. Tu vas aller travailler au champ. That is your SIM card. Ça c'est ta SIM. You come back with the money. Tu vas you have the things. Tu vas venir avec la SIM. After you force it. Après tu tombes malade. You use all the money. Tu tout cet argent. That is your SIM. God has blocked my SIM. This thing, Nestlé has blocked my SIM. Nestlé a bloqué ma SIM. I go and buy another one. Tu vas payer. You go and work another farm again. Tu vas aller travailler. You bring money again. Tu vas porter de la. Another somebody will die. Quelqu'un d'autre va mourir. The money will go. L'argent va partir. Why? Pourquoi? You are not doing anything for God. Parce que tu ne payes rien. You don't pay your tithe. Parce que tu payes pas. You don't win souls. Tu ne gagnes pas les. You don't even go to church. Tu ne payes pas les. You don't do anything for God. Tu ne fais rien à Dieu. Hallelujah. Amen. You bring the money. Tu vas porter de l'argent. You bring the coin. Tu vas porter le. You say it. Tu vas cela. Problem will take the money away. Les problèmes vont payer cela. Why? Pourquoi? God is not seeing anything for him. Dieu ne voit rien pour lui. God is doing nothing for him. Parce que tu ne fais rien pour Dieu. God wants you to work for him. Dieu veut que tu travailles. Let me show you some things you can do for God. Laissez-moi vous montrer quelque chose de certaines choses. Six things you can do for God. Parce que 6 choses. I've already showed you these things. Je vous ai déjà montré. Let me just show you again. Laissez-moi vous montrer. Choose and begin to do. Commence, choisis, tu commences à faire. Number one. Le premier point. Win souls for God. Commence à gagner les âmes à Dieu. Bring people to God. Amène les gens à Dieu. Please bring. That is number one. Ça c'est le premier point. That is the first thing you want to do. Première chose. Bring people. Apporte les gens. John, chapter 15. Jean chapitre 15. Verse 16. Verset 16. Bring people to God. Amène les gens. Please, as you go out today. Quand tu sors aujourd'hui. Target somebody. Localise quelqu'un. And bring the person to God. Apporte la personne. Hallelujah. Amen. God will begin to increase. Your sin card will begin to act. When you book credit, the more you book credit. Plus la personne met le crédit. They add your debt. Au moment tu les dis de préemption. Is that not so? C'est ça, c'est vrai ou faux? They add your debt. Au moment tu les dis de préemption. Nous sommes en 2021. But they will show you down to the 30. On va te montrer 2030. Because you are putting credit. Parce que tu mets le crédit. And we see. So when you are working. Quand tu travailles. When you are winning souls. Quand tu gagnes des âmes. God adds your blessing. Dieu augmente ta bénédiction. Des bénédictions. You will add many, many blessings. Dieu augmente plusieurs bénédictions. Two. Serve God in prayer. C'est Dieu dans la prière. Prayer. Dans la prière. Have time to pray for the work of God. Faut avoir le temps pour prier pour l'œuvre de Dieu. Pray for the work of God. Prier pour le travail de Dieu. Forget your problems. Oublie ton problème. Forget any situation you have. Oublie toute situation que tu as. Remember the kingdom of God. Pense le royaume de Dieu. Pense le royaume de Dieu. Think of the kingdom of God. Pense au royaume de Dieu. And pray. Et prie. Father. Que Père. Your people. Tes gens. Your church. Tes églises. Your servants. Tes serviteurs. Visit your church. Visite ton église. Increase your church. Augmente ton église. Bless your servant. Give him wisdom. Donne-lui give him the fear of God. Donne-lui la crainte de Dieu. You pray. Tu commences à prier. That is service. Ça c'est le service. It is still service. Ça c'est toujours le service. Number three. Le troisième point. Is that you sing. Tu chantes. You can sing in choir. Tu peux chanter la cour. Just love singing for God. Faut aimer chanter à Dieu. Love singing for God. Aimer chanter à Dieu. And you see God bless. Tu vas voir comment Dieu va te. Alléluia. Amen. Sing for God, even in your house. Always sing for God. Chante pour Dieu même dans ta maison. For God. Even on the road. Même en route. Oh, chante pour Dieu. Hallelujah. Amen. I move on the way I sing. Je marche à où je chante. I dance. Je danse. Singing. Chante. It's a way to serve God. C'est aussi une manière de servir Dieu. Four. Quatrième point. Is to give. Le don. Le donner. Give. Le donner. Is to give. C'est donner à quelqu'un. Give someone that gives. Faut être quelqu'un qui aime le donner, qui donne aux gens. To people. Donne aux gens. Your parents. Vos parents. Your friends. Tes amis. Your men of God. Les hommes de Dieu. In the church. Dans l'église. Open your hand. Ouvre ta main. That is service. Faut c'est le service. See, it is also service. C'est toujours le service. Give. Le don. Number five. Le cinquième point. Is that you should always be in church. Faut toujours être dans la présence. You always have to be in the presence of God. Faut toujours être dans la présence de Dieu. Every week. Chaque semaine. Be in His presence. Faut être dans sa présence. Don't miss the church of God. Ne manquez pas l'église de Dieu. Hallelujah. Mais be in His church, please. Voilà sa maison. Even if it's rain. Même s'il pleut. Even if it's sun. Même s'il fait chaud. Be in the church. Sois dans l'église. Come to Jesus. Number 6 point. Le sixième point. 6 office that you can give to God. Is that you should care for the church, prendre soin de l'église. Tu dois prendre soin de l'église. As you take care for your seat, comme tu prends soin de ta semence. Take care of the church. Prends soin de how?
Clean the church. Comment nettoyer l'église? Let the church be clean. Que l'église soit propre. In every time, all the week. En tout temps, chaque semaine. Make sure you see the church of God clean. Rassure-toi que l'église de Dieu doit être propre. Please clean the environment of the church. Pardon, il faut nettoyer l'environnement de l'église. That is the way to care for the church. Ça c'est la manière d'avoir la crainte de Dieu. De faire de soi, de prendre soin. De prendre soin. Ça c'est une manière de prendre soin. That is the way to care for the church. La manière de prendre soin de la maison. Clean his house. Pour nettoyer sa maison. Buy things and give in the house of God. Achète des choses et mettre dans la maison. Anything you can buy and put in the church. Toute chose que tu peux payer, qui peut être utile dans la maison. Buy it and give to the house of God. Achète cela, tu mets ça dans la maison. You can decide to pay even the things of the like bills. Tu peux décider de prendre soin que tu peux payer la location de cette maison. Light, la lumière, water, l'eau, house, la maison. You say, me too, I want to be blessed by moi aussi, the work je veux of être God. Béni par le travail. I'll pay light. Tu veux payer la lumière. Okay, house rent is how much? La location c'est combien? 100,000. Okay, I'll give 10%. Je vais donner 10%. I'll give 25%. Je vais donner 25%. Every month. Chaque mois. You give God 10,000. That's 10% of 100,000 of the. Tu donnes Dieu 10,000. Ça c'est 10%. You are blessing yourself. Tu bénis toi-même. That is the way to care for the house of God. Ça c'est la manière. Me, dans la maison when I was in Winners, quand moi j'étais en Winners Chapel, yeah, when I was in Winners Chapel, I was the one paying the light of the church. Moi j'étais celui qui payait la lumière. The house and the light was 23,000. La maison et la lumière étaient 23,000. 3,000 for light. 3,000 pour la lumière. 3,000 for house. 20,000 pour la maison. I told the office. I will pay the house. Dieu me bénissait toujours. And he still blessing me. Et il continue toujours à me bénir jusqu'au jour. The prophet that came yesterday. Le prophète qui est arrivé hier. One said something. Un a dit quelque chose. That in life, dans la vie, to give in the house of God, pour donner dans la maison de Dieu, don't wait that you have much before you can give. N'attends pas que tu dois avoir beaucoup pour donner dans la maison de Dieu. If you say you want to have much before you give, si tu dis que tu vas attendre pour avoir beaucoup, you will never give. Tu vas jamais donner. The little you have, le peu que tu as, start giving that little. Commence à donner ce petit. God will begin to add the little. Tu vas commencer à augmenter le peu. And you begin to increase. Et tu vas commencer à augmenter. So don't wait that you should be taking salary of 100,000. N'attends pas que tu vas avoir un salaire de 100,000 francs. Even it is 1,000. Même si c'est juste 1,000 francs. 5,000. 5,000 francs. For to contribute for the house. Pour contribuer pour la maison. Of God. De Dieu. Over the light of God. Pour la lumière de Dieu. See, I'll give. Dis que moi je vais donner. When the time comes. Et quand le temps. Even if you have which problem. Même si tu as quel problème. God first. Dieu d'accord. God now take care of your problem. Dieu va prendre soin maintenant de ton problème. Alléluia. Amen. You must care for the house of God. Tu dois prendre soin de la maison de Dieu. And I told you it is to clean the house. C'est pour nettoyer la maison. Buy things and give in the house of God. Acheter les choses et donner dans la maison de Dieu. Pay the things of the church. The bills. Les locations. Payer la location. Les locations. The rent of the things of the bills of the church. That is when God will bless you. C'est la manière, c'est donc c'est de cette manière que Dieu va te bénir. Don't eat alone. Ne mange pas. Don't only limit with offering and tithe. Ne te limite pas seulement pour la dîme et les offrandes. Non. Don't only limit there. Ne te limite pas seulement. Do something extra. Fais quelque chose de extraordinaire. God also do something extra for you. Dieu va aussi faire quelque chose de extraordinaire. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. So just make up your mind. Decide. Just decide now. Tu veux juste tu décides maintenant. That you want to become a SIM card. Que tu veux devenir un SIM. With credit. Avec des crédits. You have to use your gift. Tu veux utiliser ton don. You want to give what you have. Tu veux donner ce que tu as. Father. Tu veux donner le même. Every month. Chaque mois. If I pay my tithe, même si je paye ma dîme, I give my offering. Donne ma dîme. I have to give you this thing. Je dois te donner ces choses. Every month. Chaque mois. Every month. Chaque mois. You will see heaven's open. Tu vas voir le ciel va s'ouvrir. You think that you have little. Tu penses que tu as petit. And you say, what will I do? End of month is coming. Tu vas dire, hey, comment je vais faire le mois arrive déjà. Hey, le mois arrive déjà. Je dois donner Dieu. I don't have. Tu n'es pas. God will just open heaven. Dieu va ouvrir le ciel. He knows that you have a heart for him.
Il sait que tu as le cœur pour lui. He open heaven. Il va ouvrir le ciel. And give you. Il va te donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. So please. Pardon. Serve God. Serve Dieu. Be a sin. Pardon, sois ici. With credit. Avec le crédit. You will see God bless. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. I am a blessing. Je suis une bénédiction. For the people of God. Pour les gens de Dieu. Churches. Les églises. Men of God. Les hommes de Dieu. I am a blessing to them. Je suis une bénédiction pour eux. And they are a blessing to me. Eux aussi sont une bénédiction. I want to also be a blessing to a church. Et moi aussi je veux toujours être une bénédiction. You, I want you to be a blessing. Je veux que toi aussi tu dois être une bénédiction pour les in a church. À l'église. In a man of God. À les hommes de Dieu. In a poor man's life. Dans un homme pauvre. Dans la vie d'un homme. You see God. Et tu vas voir Dieu. Visit you. À te visiter. Alléluia. Amen. Today. Aujourd'hui. By the anointing. Par l'onction. Something new. Quelque chose nouveau. Enter your life. I say something new. Quelque chose nouveau. Enter your life. In the name of Jesus. Amen. The same card you have. La sim que tu as. God will put credit inside. Dieu va mettre. I say God will put credit inside. God will put credit inside. In the name of Jesus. Who is blessed this morning? Qui a béni ce matin? Who is blessed this morning? Qui a béni ce matin? Rise up with me and lift our voice to heaven. And say Father, thank you. Lift our voice to heaven and say Father, thank you.